Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالى لزيادة سورة أنبياء آية 23 لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. الله سبحانه وتعالى concernant ben quelque chose qu'Allah Ta'ala lui fait ben principe qu'il y en a etc. Nous pas pose question un principe ça un principe de raqida. C'est-à-dire nous pas qu'on pose question. Ça veut dire qui fait Allah Ta'ala fin fait ça, ou bien comment qui fait Allah Ta'ala fin fait ça, quelque chose comme ça, etc. Mais seulement, nous, ça va être tout, les enfants Adam, Zoukayamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il pose une question qui fait une fait ça, qui fait une fait ça, qui fait une fait des affaires. Donc là, à partir de là, tout ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala lui fait est dans sa sagesse. Tout action qu'Allah Ta'ala lui fait, sa action là, il est dans sa sagesse. Qu'il y soit, nous ne comprenons pas ça, ou bien nous ne comprenons pas ça, c'est-à-dire nous l'esprit trop petit pour nous capables de comprendre le principe Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait du bien. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, c'était pareil, dans ce sagesse infini, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait bénir certaines places sur la terre, comparé avec les autres places. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait bénir sa endroit qu'on appelle Makkah. Dans Makkah, nous avons ce qu'on appelle Masjid al-Haram. Dans Masjid al-Haram, Allah subhanahu wa ta'ala fait bénir ce qu'on appelle Kaaba. C'est une place sur la terre que nous faisons un salat, nous gagnons 100 000. Ça veut dire que nous faisons un namaz de chien ici, un dimoun, lui fait un namaz dans Haram Makkah. Ça n'a pas besoin de faire namaz de shalam, vous avez fait 100 000 namaz comme ça. Pour capable de gagner un namaz qui s'est dit de faire. Donc, qui fait sa différence? Parce que sa place que ça s'est dit de faire soit là, sa place est bénie. Qui est qui fait bénir ça? Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a sa qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça. Donc, Kaaba, c'est la place que nous faisons avoir. À part ça, un dimoun fait avoir Kaaba, il fait une shirk. C'est une place que tu finis légiférer pour qui un dimoun fait tawaf. Maintenant, pareil comme ça, nous master. Allah subhanahu wa ta'ala, il finit béni Masjid Nabawi. Ça veut dire un dimoun, par exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, un namaz qui nous fait dans Masjid Nabawi, il est égal à 1000 salats. C'est-à-dire, 1000 salats, comment nous finis faire à ce terme. Allah ta'ala finit descendre, baraka. Pareil comme ça, même, Allah subhanahu wa ta'ala finit descendre, Barakat dans Masjid al-Aqsa. Le namaz est multiplié là-bas aussi. Et cette place sur la terre qui, quand nous faisons Wazul al-Aqsa, ça veut dire quand on dit que nous prenons l'hôtel là-bas, le reste alors tout. Quand les poils dans Masjid al-Aqsa, ils font cela, tout ce bien péché, ils ne peuvent pas. Qui fait? Parce qu'Allah Ta'ala fait bénir sa place. C'est-à-dire qu'il y a la même place qu'Allah Ta'ala fait bénir la terre comparée avec ben, les autres places. Et même nous prenons Maurice à cette terre. Même n'importe quoi dans le monde. Masjid, c'est un place béni. Il y a un barakat. Il n'est pas pareil comment tout vient des autres places. C'est-à-dire, il n'est pas pareil comment Moulaka, il n'est pas pareil comment aller au chemin, il n'est pas pareil comment les autres places. Allah Ta'ala fin béni de place. Donc ça arrive. Deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala, il fin béni un groupe du monde comparé à l'humanité en entier. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il fin choisir 124 000 prophètes. Les films choisir Bana pour véhiculer ce message. Ça veut dire pour véhiculer Kalima, la ilaha illallah. Dans 124 000 prophètes à terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit 313, ce qu'il nous appelle Ben Rasoul. Dans 124 000 anbiya là, Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit 313 messagers. Ça veut dire c'est Ben prophète qui finit gagner un livre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ça, 313 ans, environ 313 ans, Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir
5, c'est ce qu'on appelle ben, Ulul Azm Minar Rusul. Ulul Azm Minar Rusul veut dire c'est un prophète qui tient une détermination extraordinaire pour base d'in Allah subhanahu wa ta'ala, n'importe qui arrive, n'importe qui chute, n'importe qui obstacle qui est là dans la vie, je overcome ça ben obstacle là pour capable propose d'in Allah subhanahu wa ta'ala une détermination extraordinaire. Ça, 5 ulul azm min ar-rusulillah, en chronologie, nous avons le premier, nous avons Nuh alayhi salam, nous avons Ibrahim alayhi salam, nous avons Moussa alayhi salam, nous avons Isa alayhi salam, et nous avons le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, dans l'humanité en entier, Allah subhanahu wa ta'ala définit choisir Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Afdalu khalq azmarin, meilleur parmi toutes ces créatures, de toutes ces créations. Ça veut dire, nous avons des affaires. Dans place, Allah Ta'ala bénit certaines places comparées avec les autres places. Même dans le monde, Allah Subhanahu wa Ta'ala bénit un certain monde comparé avec les autres monde. Même dans l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala bénit ben Sahaba. Ça veut dire que c'est le meilleur monde qu'il y a dans sa Ummat. Pareil comme ça même, Allah Subhanahu wa Ta'ala choisir un certain laitant, comparer les films bénis, les films de barakat dans un certain laitant, comparé avec ben, les autres laitants. Par exemple, ce qui fait traverser avec nous, le mois Ramadan. C'est un mois qui bénit, qui remplit avec bénédiction Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le mois Ramadan, Allah ta'ala fait choisir 10 meilleurs la lutte qu'il y a. Dans sa 10 meilleure lamine qu'il y a là, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait choisir ce qu'il nous appelle Laylatul Qadr. Ça veut dire, nous trouvons qui, dans bénédiction là aussi, il y a plus bénédiction, il y a plus bénédiction, il y a plus bénédiction. Qu'il y soit enfanné, en terre, place, en terre, djimoun, en terre, l'état. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, pareil comme ça, même dans les anges, Allah ta'ala lui fait choisir Djibril pour venir. Chef de tout bel ange. Donc, vous trouvez que c'est quelque chose qu'il appelle une certaine hiérarchie. Maintenant, pareil comme ça, même à terre, en termes d'état même, Allah Ta'ala fait béni vendredi. Ce qu'il appelle Yom Jumu'ah. Ça veut dire vendredi, sauvaler, sauver, tu, comparer. Avec même des autres jours, il n'est pas pareil. Vous commencez dans vendredi, 5 jours, il y a Jumu'ah. Jumu'ah, nous connaissons qu'il y a 11 du bout des mois à la porte, je ne prends pas le nom, qui c'est là qui peut rentrer. Et dans l'heure du mois, Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala descend. Nous avons, dans le jour du mois, nous avons un lien qui doit accepter. Ça veut dire que les autres jours, je peine à sa belle vertue. Allah subhanahu wa ta'ala pour se sagesse. Tout ça là, les filles pour se sagesse Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le jour, maintenant, ben musulman, nous avons un rassemblement. Nous avons un rassemblement. Nous avons 5 fois nous rassemblés par jour. C'est l'organisation qui rassembler 35 fois par semaine, c'est les belles musulmans. Ça veut dire que nous avons étudié dans la Yomi, nous avons rassemblement tous les jours quotidiens. Nous avons rassemblement, ça veut dire une fois par semaine, c'est ce qu'on appelle Juma. Nous avons rassemblement annuel, ça veut dire une fois dans une bonne année. Ça veut dire qu'il était ça? Hajj. Que les mondes musulmans en général les joignent. Et ça, nous pouvons être beauté de l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit comment وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Allah ta'ala lui crée ce qu'il a envie et lui choisir ce qu'il a envie. إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait ce qu'il a envie. Maintenant, comment on fait pour le titre de leur fils? C'est vertu valer 10 premiers de l'Hijjah. Donc pareil comment Allah subhanahu wa ta'ala lui bénit les temps comparé avec les autres les temps. Pareil, nous parlons un petit peu concernant sa 10 premiers de l'Hijjah qui a été mentionné, qui a été mentionné, qui sont vertueux, qui sont vertueux. En trois volets de beauté. Donc, premier, nous avons un hadith qui est rapporté dans le Bukhari, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit: Ma min ayyamin amalin salih fihinna ahabu ilallahi min hadihil ayyamin ash. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit: N'a pas aucun jour qui nous bénit action, nous bénit bon action. Allah Ta'ala est plus content. Ça veut dire que nous parlons d'un affaire ici. Tout ce qui Allah Ta'ala béni, il est content. Tout ce qui Allah Subhanahu wa Ta'ala béni, Allah Subhanahu wa Ta'ala est content. Allah Ta'ala est béni
mois Ramadan. Allah Ta'ala compte en mois Ramadan. Allah Ta'ala fait bénir sa belle prophète là. Allah Ta'ala compte en jeu. Allah Ta'ala fait bénir sa belle place là. Allah Subhanahu wa Ta'ala lui compte en sa belle place là. Pareil comme ça même, Allah Ta'ala fait bénir, comme on a fait mention de Haditha, n'a pas aucun benzo qui Allah so, qui nous fait avec bon action. Ça veut dire action à Allah Ta'ala est content. Quand vous faites sa belle action dans sa belle zoula, Allah Ta'ala est plus content sa belle action qui quand vous faites en dehors sa belle zoula. Fihina ahabu ilallah qui Allah Ta'ala est plus content min hadihil ayyam al-ashr qui sa 10 premiers jours. Les pécores concernant 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Ça veut dire environ un mois de l'année devant nous là, ça lui est venu. Et là, il faut comprendre un zapper. Par exemple, le mois Ramadan est venu. Si un djimoun n'est pas préparé concernant le mois Ramadan, quand vous trouvez le Ramadan, ça vite ce qui sera Ramadan dans la fin de travail. C'est parce que un djimoun est là pour travailler. Il est là pour dormir. Ça veut dire un djimoun, normal, vous pouvez avérer ce travail environ 6, 7, 8 heures. Pareil, un djimoun est pour dormir 6, 7, 8 heures. Ça veut dire, dans ça, si quitte le temps qui m'ont resté là, là, nous vous inquiétez qui ben action qui vont faire. Et ça, les demande, quand Dieu est, un planning. Bon, donc, ben ça, là-bas, quand première fois je finis dans le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je finis ça, je dis à moi, il y a un Rasoul Allah, je suis étonné. Je dis, il y a un Rasoul Allah, voilà le djihad ou fils à Bilillah. Est-ce qu'il n'y a même pas un du monde qui sortit le final, fait un djihad dans le chemin Allah sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit voilà le djihad ou fils à Bilillah, il dit même pas un sorti ou fait un djihad dans le chemin Allah. Qui veut dire ça? Il dit à Dieu, c'était là. Les pélagés dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tout le monde qui commence à être vertu, sorti, il dit qu'il peut sacrifier ce nafs là. Ce nafs, ça veut dire qu'il est capable de mourir, il est capable de paraître lumière. Il peut faire ça à cause Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la vie qui est dans la terre. C'est la vie pas pour regagner un cours. Il peut sacrifier ça la vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on se récompense ça, nous prenons un autre gymnastique qui lit quand il arrive ça 10 jours. Dhul-Hijjah. Il peut faire une ibadat la case. Il peut dire Coran, il peut faire une amaz nafil, il peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire une adhkar. Sa ibadat, il peut faire là. Sa récompense qu'il peut gagner quand il fait sa ibadat là, dans sa 10 jours là, il est plus qui sa moudjahid qui peut la guerre à cette heure. Ça veut dire qu'il montre nous qui qualité sur récompense du faux. Comment on dit, mais le faux gagne faux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wala al-jihadu fi sabilillah illa excepté. Il y a un seul cas qu'on va nous dire exceptionnel. Rajulun kharaja min nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay. Il y a un seul cas exception, c'est qu'un djimoun qui finit sorti dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, il finit sorti avec ce nafs. Ça veut dire sur l'écho, il y a même de son écho de son bataille, et aussi avec son mal, ça veut dire avec son richesse. Ça veut dire qu'il prend son richesse, il finit acheter l'équipement pour la guerre, il finance la guerre. Ça veut dire que l'autre terrain de son bataille, il a son richesse, et aussi avec lui-même, et l'inmo de son bataille. Ça veut dire lui avec son richesse. C'est ça un seul cas exceptionnel qui lui traverse. Ça veut dire que c'est un djinn qui peut faire l'ibadat dans sa 10 jours. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala lui mentionne dans surah At-Tawbah. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. Certainement, nombre de mois auprès Allah subhanahu wa ta'ala, c'est 12. Et Allah ta'ala disait, في كتاب الله, dans le livre, ça fait écrire dans le livre Allah. في كتاب الله. Nous avons dit un petit peu qui veut dire ça à l'aide qu'on a. يوم خلق السماوات والأرض. Jour qu'Allah soit en train de créer la terre et le ciel, minha arba'atun hurum. Et là-dedans, on a quatre mois qui sacrés. Donc, première chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui dire, lui fait écrire qui peut être une arrête de shuhuri rindallah. Pour être 12 mois. Dans l'Ivala. Dans l'Ivala, qui était ça? Nous pouvons être ben savants, je veux dire, Kitab al-Maqadir. C'est livre des steps que Allah. Lilo, l'obhim ahfouz. Lilo, une tablette qui me préserve. Ça veut dire que personne n'a pas accès avec cette tablette-là. Personne n'a pas connu qui est là-dedans. Apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous avez un hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit: Kataballahu maqadirul khala'i.
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. Alors subhanahu wa ta'ala, quand il fait destin, il finit créer destin, tout même qui chose, ça veut dire nous prendre tout qu'il a, ça veut dire un point de l'histoire, nous prendre naissance. Qui action nous pouvons faire, bout en bout, et jusqu'à nous. Alors il finit créer tout. Donc, pour le même quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit créer là-dedans, c'est qui quand la terre, nous peut cause 50 000 années avant création de la terre, avant création du ciel. Ça veut dire quand Allah Ta'ala va lire, quand Allah Ta'ala peut écrire ça, c'est qui partient dans la terre, partient dans le ciel. Mais ça, il finit écrire avant ça, mais il finit décréter. Qui comprend la terre, comprend le ciel, il peut dans un système calendrier, ce qui nous suivent. Quand il veut dire système calendrier, nous peut cause calendrier islamique, calendrier lunaire. Ça veut dire commencer avec ce mois, Muharram, Safar, il peut aller jusqu'à l'Ibudiamine, jusqu'à Dhul-Hijjah. Ça veut dire, quand Zouka la Tala fin crée la terre, Zouka la Tala fin crée le ciel, ça veut dire la terre et le ciel suivent sa calendrier là. 124 000 prophètes, quand je finis de venir, je ne suis pas calendrier là. Ça veut dire, Adam alayhi salam, si je suis calendrier islamique, vini même Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, jusqu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit un hadith, il dit « Ala inna zaman qad istadara » Hadith rapporté par Imam Ahmad « Ka hayatir yawma khalaqa samawati wal ard » Il dit certainement les temps finit retourner. Allah Ta'ala finit rétablir. Pareil comment il crée la terre avec les ciels. C'est-à-dire que ça quand qui quand Allah crée la terre avec les ciels là, les finettes restaurées pareil. Donc c'est ça qui fait utiliser un hadith. Bon, nous comprenons un verbe « Quraysh » Dans l'Arabie, j'utilise ça pour suivre sa calendrier lunaire là. Mais c'est ma critique de voir ce qui est là. Quraysh, tu peux jouer avec Allah Ta'ala Muhammad, Minha Arba'atun Hurum. Il y en a 4 mois qui s'appellent là-dedans. Qu'est-ce que tu peux faire? Je peux shifter parfois ben moi. Là, je joue avec ben moi. Parce que, veut dire, quand on va dire qu'on va jouer possession, ça veut dire Zulhijjah. Fait comment dire Zulhijjah là. Il dit ça l'année là. Le point par pour Zulhijjah là. En Muharram qui pour Zulhijjah. Il y a l'époque déjà, il y a une certaine coutume. Là, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est fini faire contre Makkah. Dans Hajjatul Wada, quand tu peux faire khutbah avec Ben Sahaba, il dit Astir, ça veut dire sa calendrier, il est restauré. Pareil, ça aide. Et deuxième, personne n'est pas pour capable de rebouer sa calendrier. Ça veut dire, depuis 1400 années, 24 jours, 10 jours, le calendrier n'est pas bougé, il reste pareil. Ça veut dire, ben moi là, je finis de suivre l'autre, personne n'est pas capable de manger, je finis de renvoyer Hajj. Il finit avec Hajj. Il peut se postponer pour le moment. Ça veut dire, l'arabe de Jahiliya, et à moi, je peux postponer, et à moi, je peux mettre pareil dans le Hijjah. À cause de ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah inna zaman qad istadara. C'est tellement, Allah subhanahu wa ta'ala, il rétablit le calendrier là, pareil comme il était, et as-sanatu ithna ashara, shahran, dans un an, il y en a 12 mois, minha arba'atun hurum, et là-dedans, nous prenons 4 mois qui sacrés. 4 mois qui sacrés là, nous prenons 3 mois là-dedans qui à la suivre. Ça veut dire, nous prenons Dhul Qa'dah, nous les avons dans Dhul Qa'dah, c'était là. Après, nous avons Dhul Hijjah. Après, nous avons Muharram. Ça, trois mois-là, à la suivre, d'affilée. Après ça, nous avons Rajab. Septième mois, calendrier islamique. Maintenant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Calendrier-là, ça calendrier qu'Allah subhanahu wa ta'ala définit, établi là. Par rapport à mois sacré. Ça veut dire qu'on a la division des parties par rapport à mois sacré. Comprenez bien. Nous avons ben mois qui est sacré. Ça veut dire que nous avons 4 mois qui sont sacrés là-dedans. Ça 4 mois qui nous font fait que moi je suis là. Et après ça, nous avons 4 mois là-dedans qui ne sont pas sacrés. Nous avons 4 mois là-dedans qui sont sacrés. Et nous avons 4 mois, nous avons, sorry, 8 mois qui ne sont pas sacrés. Ça veut dire que ces 8 mois qui ne sont pas sacrés là, nous avons le mois Ramadan. Ramadan, fais attention, il y a un mois Shahrul Mubarak. Shahrul Mubarak veut dire un mois qui Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, il bénit moi là, il descend sur bénédiction. Maintenant, quelle différence qu'il y a entre un mois qui sacré avec un mois qui bénit? Là, nous comprenons bien en tant que musulmans. Pour commencer, nous avons une petite chose qui tous les deux nous joignent ensemble. C'est qui dans le mois sacré et dans le mois béni. Ça veut dire que ça 4 mois que nous pouvons mentionner là, 4 mois sacré là, et dans le mois Ramadan, nouvelle action. Sauvalier et en plus. Ça, c'est l'Israël tous les deux. Donc, nous avons concernant ces 4 mois sacrés là, qui Ibn Abbas dit. Ibn Abbas dit Fala tu dhulimu fihinna anfusakum.
كنت على درجة مهنا بقية جيتو جيب دعاء القرآن إذا في كل هنا ثم اختص من ذلك أربعة أشهر دوك عندما يعني بقى بقية جيتو سو نفس تطلب لي لعنة إذا après ça الله سبحانه وتعالى يفيد مت spécifié يفيد مت لون فاز plus dans sa 4 mois 4 mois qui sacré فجعلهن حراما وعظما حرماتهم لذلك الله سبحانه وتعالى في فيها ça 4 mois là sacré et dans ça 4 mois là nous gravité ben action li amplifié ça veut dire qui veut dire gravité li ben action li amplifié li conscient li dire li fin faire péché là dedans plus grave ça veut dire mo faire un péché dans ça 4 mois sacré là mo faire même péché en dehors ça 4 mois qui sacré là péché là ça veut dire en dehors plus grave à la taille fin mettre ça péché là une certaine gravité à la taille fin donner un péché là une certaine gravité ça même péché qui comme vous pouvez aller dans ça 4 mois sacré là li fin plus grave sa gravité li amplifié du gain plus spécial avec Allah subhanahu wa ta'ala et pareil comme ça wa al-amal salih une bonne action qu'on peut faire, par exemple, il y a une action qui peine à moins sacré, pas moins sacré, mais obligé de faire, par exemple, 5 fois salat. Ça, 5 fois salat, là, quand on peut faire, en dehors, ça va être moins sacré, là, on peut faire un peu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Faire avec Allah subhanahu wa ta'ala, il décrète où ça va être salat. Ça même, salat, c'est quand on peut faire, dans le moins sacré, là, qui est arrivé, lui, augmenter, ce valeur, ce vertu, dit augmenter. Maintenant, alors comment nous finir alors ce matin, nous finir barakat. Donc, certaines les temps. Nous tous connaissons quand Ramadan se fait traverser là, nous tenons 10 derniers la nuit Ramadan, c'est 10 meilleures la nuit qu'il y a. Mais seulement dans ce hadith qui nous fait mentionner une cause concernant 10 meilleurs jours. Maintenant, quelle différence qui est là entre 10 premiers jours Dhul-Hijja et que ça 10 derniers la nuit là. C'est-à-dire pour commencer, nous pouvons ici les jours, là-bas la nuit. Pour commencer, il y a quelque chose qui nous pas capable de comparer dans le livre. Ça, c'est pour nous comprendre. Qui chacun a son valeur, chacun a son vertu. Donc, par exemple, je vais poser une question. Qui est-ce que tu as dit? Tu as dit que tu as dit. Tous les liens pillés dans l'islam. Tous les liens obligatoires, nous avons pour les faire. Ça veut dire, un jour, nous besoin faire Hajj au moins combien? Une fois dans la vie. Ça, c'est obligatoire. Si il y a le moyen, la capacité physique, il y a une condition qui réunit pour les premières affaires. Deuxième affaire, quand arrive le mois Ramadan, je ne suis pas obligé de faire ça. Ça veut dire, obligation, il faut rester au livre. Donc, je ne peux pas comprendre en termes d'ibadat qui est meilleur, est-ce qu'il y a Hajj, le meilleur qui est Rosa, ou bien Rosa, le meilleur. Hajj. Mais seulement chacun, tous les deux, il a une valeur, il a une vertu, il a une spécificité. Nous pouvons chacun sa spécificité et tous les deux nous contrastent. Donc, première affaire, c'est qui nous fait mention qui 10 premiers Dhul-Hijja, li attaché avec un pilier de l'islam, ça veut dire Hajj. Ça veut dire quand un jour, il peut pratiquer ça. Si Allah Ta'ala qu'une bénie lui peut faire Hajj en même temps, lui peut gagner, mais ça veut dire Sharaful Makan ou Sharaful Zaman. T'as là quand tu commençais l'introduction, tu te disais, mais il y a place qui Allah Ta'ala qu'une bénie lui a dégoûté ça. Haram Makan. Maintenant, l'ingain, ça veut dire, tu sais, chaque namas qu'il peut faire, il peut faire 100 000. Maintenant, vu qu'il gagne 10 premiers Dhul-Hijja, quand il peut venir, dit là-bas, ça veut dire, sa namaza n'est pas faux, son mille à niveau plus qu'il s'en est, par contre, qui vont dire. Ça des charofs là. Charoful makan ou charoful zaman. Nobilité, l'état, nobilité, place, tous les deux combinés ensemble. Sur action, ça veut dire l'extra, faut que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, maintenant, dans le calendrier islamique, nous avons 10 meilleurs la nuit. Ça veut dire qu'on nous peut cause, dans un an, nous avons 350, environ 355 la nuit. Dans sa 355 la nuit là, nous dire qui 10 meilleurs la nuit. C'est 10 derniers la nuit dans le mois de Ramadan. C'est-à-dire concernant la nuit, Ramadan, l'is spécial.
Maintenant, pareil, dans un an, nous avons 355 jours. Qui meilleur jour qui nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est 10 premiers Dhul Hijjah. Ça veut dire concernant la 8, par exemple, les spéciales plus, les plus faux. Et concernant les jours, c'est Dhul Hijjah. Ça veut dire que ces 10 premiers Dhul Hijjah là, les meilleurs qui 10 derniers jours de Ramadan. On va dire, ça 10 premiers Dhul Hijjah là, les meilleurs qui 10 jours de Ramadan, 10 derniers jours. Pareil, Ramadan ni Aster, ça 10 dernières nuits là, les meilleurs qui 10 premiers Dhul Hijjah sur la nuit. Chacun ses spécificités. Maintenant, dans Ramadan, Aster, nous tous connaissons qui Allah Ta'ala nous fait choisir un ami de nous. C'est la nuit là, mais il y a la nuit qui est là. C'est Laylatul Qadr. Allah Ta'ala dit Laylatul Qadr khayru min alfi shahr. Qui Laylatul Qadr, les meilleurs qui 1000 mois. C'est-à-dire bénédiction qui Allah Ta'ala fait mettre dans un ami de nous. Maintenant, nous venons pas ici à Aster. Ici, pareil, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une bénédiction, mais ce n'est pas dans un jour, dans deux jours. Allah ta'ala a fait une bénédiction dans deux jours. Qu'est-ce que c'est ça? 9e Dhul Hijjah, ça veut dire qu'on appelle le jour Arafat, et 10e. Et la divergence entre 20 savants, laquelle ça est la meilleure? Et tous les deux jours, il y a cette spécificité. Un 10e, tout le monde a fait Khoudbani, il y a un jour Eid là-dedans, ou pour faire Khoudba, etc. 9e jour, c'est le jour qui Allah subhanahu wa ta'ala lui descend le 7e échelle. Ça veut dire le jour Arafat. Et connexion, le tout le Google. Le rosa Arafat qui le Google, ça aide. Deuxième, c'est le jour qui Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire dans un an, qui jour qui Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne plus beaucoup du monde, le jour Arafat. C'est le jour. Quand Satan lui sentit abaissé, méprisé, humilié. Qui fait? Quantité qui Allah Ta'ala peut pardonner. Dans un jour là. Parce que qui fait? Satan qui se travaille qui est venu. Et quand du monde, fait nous faire mauvaise action. Pour nous rendre à l'enfer. Mais ça, quand c'est mauvaise action qu'il peut faire, là, c'est un secours à Allah Ta'ala pardonner. Qui n'arrive là? Ça veut dire nous balance côté gauche quand on dit action dans le film. Pour belle qui a la phrase d'accepter je te vois, ça balance ça, il récompte la retourne zéro. C'est-à-dire qu'on a une seconde action par ici. C'est-à-dire tout travail qui s'est éteint, il finit faire pendant une année avec nous, il va nous voir ce qu'il finit mettre, il va nous péché qu'il finit faire nous faire. Qui est arrivé? Tout cela va développer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ça joue à la fois là, Allah ta'ala est fier devant ce 11. Allah ta'ala, là au 7e des ciels, quand Ben Hadji est dans Arafat, il est toujours tout, il met tout l'Ihram dans eux. Allah Ta'ala dit tout. Allah Ta'ala lui pose maintenant 11 questions. Il dit Ma'arabmada aradaha oulaï. Ça m'a dit qu'il est fini de rôder. Ça veut dire que Ben Hadji là, il est tout pareil. Pena ris, pena peau, pena sana sur la peau noire, sana sur la peau blanche, il est tout pareil. Ben. Malaïka, je dis à Allah, je fais une route de pardon. Et Allah Ta'ala, il peut dire qu'il fait ce qu'on est, qu'il me fait pardon. Ça veut dire, ça se voit quand on fait mentionner qu'il pardon Allah subhanahu wa ta'ala, il descend et le gars nous a sa là. Et nous tout connaît qu'il, avant un djinn, il fait iftar pareil. Seul doit l'accepter. Et concernant le meilleur rosa nafil kina, c'est rosa Arafat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Kouma, ahtasib ala Allahi an yukafira. السنة التي قبلها والتي بعدها سبحانه على سبولة الله سبحانه وتعالى كي الله سبحانه وتعالى لبو إكسبي سجى الله تعالى لبو بودل بين بشر كي نفيل فيها بعد عينه كي بيجي سا نقوم عرفات سمعنا نرجعون عرفات لا نديانية أن سادي عرفات لا تسا بشر كي سادي نفيل فيها الله تعالى لبو بني بس عين روزالا نقوم عرفات سمعنا نوال عرفات لا نبوسن tout péché qui s'attend à lui pour faire un petit péché qui lui fait, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les bouts pardonnent, les bouts expiés concernant sa demande, ce même péché. Maintenant, quand nous pécons concernant Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait faire, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait descendre un sourat 10 pour ça.
l'arbitre là concernant qui considère bénédiction qu'il a. Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr ka subhanallah li diabini. Quand Allah Ta'ala fait reconnaître qui li meilleur plus que 1000 mois. Pareil ici à Ster, Dhul-Hijjah, qui référence le Coran. Allah Ta'ala pareil fait une descente un sourat. L'eau va l'air 10 premiers Dhul-Hijjah. Il commence, ce qui sera, c'est sur la Fajr. Allah Ta'ala commence à dire Wal Fajr. Quand une surah commence par Waw, Waw Fatha, on appelle ça Waw Qasm. Ça veut dire Allah Subhanahu wa Ta'ala, il peut faire serment. Il peut faire serment l'eau Fajr. Qui Fajr ça? Zou qui ne peut faire pour Bani. Allah Ta'ala peut faire serment. Et Allah Ta'ala dit il y a un point, toute chose, tout objet qui a envie. Il fait serment l'eau là, Wa Shamsi, Wa Duhaha, Wa Layli, Ida Yasha. Donc, Allah Ta'ala dit qu'on sait qu'il a envie comme témoin pour lui faire serment. Mais ce moment-là, nous avons pensé ça dans le hein, Allah Ta'ala pour faire serment. Donc, Allah Ta'ala pense comme il voit le fait. Ça veut dire, Zou Fajar, Zou qui nous fait Kourbani. Wala Yalin Rash. Wala Yalin Rash, quand vous êtes tafsir Ibn Kathir, l'Ijia, c'est ça, 10 premiers Zou de Dhul-Hijjah. Ça veut dire, il y a son référence. Wa Shafri wa Wad. Pour ce qui perd et ce qui impère. Allah Ta'ala préfère seulement pour sa deux meilleurs jours qui est dans le latin là. Ou à chaque fois, ou à l'autre, dixième pour le Hijjah, jour pour Bani, jour Bakri, et ou à l'autre, c'est-à-dire père et impère. Pour père et pour impère. Impère, c'est les neuf. Ça veut dire jour Arafat. Maintenant, jour Arafat, lui, pour Ben Hadi, je joue 8. Pour Ben Hadi, je joue 8. Après ça, lendemain, ça va être le 10e quand nous pouvons faire un courbani, etc. Là, ici, je peux mettre des actions, je peux là pour battre ce qu'on appelle Romul Jamarot, je peux là pour battre Jamarot, je peux là pour raser la tête, je peux là pour faire un courbani, je peux pareil. Après ça, il y a encore des actions qui je peux là pour je peux faire. Maintenant, dernière chose, c'est en tant que musulman à ce terme, comment nous capables de profiter de ça 10 premiers de l'Hijjah. Donc, première affaire, si nous posons nous-mêmes une question, Ramadan fait traverser. Nous vous trouvez qui, si nous analysons nous-mêmes bien, nous vous trouvez qui nous pas fait profit Ramadan assez. Si on dit nous analysons nous-mêmes bien. Mais après, qui fait comme je disais, nous avons fait tout à la oui, il a réussi à faire un khatm le Coran, il a réussi à faire beaucoup de bonnes actions. Mais c'est moi, si vous analysez nous-mêmes bien, vous trouvez qui est un allié capable de perdre l'état. Première affaire, c'est qu'il m'a besoin de comprendre, m'a besoin de faire moi-même comprendre. Qui sa 10 premiers Dhul-Hijjah, la première affaire, qui sont l'importance? C'est un bonus ça. Ça bonus là, tant bien se dire, quand tu pourras rater, jamais tu gagner de la vie. Fait comme dire, un jour, je vais faire un ramadan sans ramadan là. Il dit, mais pas faire un ramadan, prochain, je vais rater. Donc, sans ramadan, tu finiras rater, jamais tu gagner. Jamais tu gagner encore. Ça veut dire, sous quand même, sans ramadan là, action qui te fait faire, c'est un point d'aller au balance, pas pour n'apprécier ça. L'autre ramadan, si tu ne réussis pas, tu te profites de l'autre ramadan là. Parce que sous quand même, Allah Ta'ala, une sagesse qui m'a dit de dire concernant le Hijjah. Oumad Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comparé avec les autres Oumad, nous l'avons découvert. Oumad Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comparé avec les autres Oumad, nous l'avons découvert. Un dimanche en général, comme un Rasulallah qui mentionne dans le Hadith, environ 60 ans il vit. Et dans notre Riwayat, il mentionne 40 ans. Ça veut dire ça. En général, il y a des gens qui vivent un petit peu plus que ça, il y a des gens qui vivent un petit peu moins que ça. Mais en général, plus beaucoup, ça, entre 40 et 60 ans, nous trouvons plus beaucoup de monde. Je t'écoute la formation tous les jours, à l'écouter, plus beaucoup de monde pour mourir dans sa vente. Pendant un dé avant, un dé après. Nous réalisons en 1950 années. Et puis nous retournons dans l'histoire, alors il y a des gens qui vivent un petit peu. Donc, un petit peu, si nous nous réduisons à des mathématiques, pas là, nous vous trouvons qui. Ça dit mon ali, c'est-à-dire plus les vivants non bananés qui arrivent, les pouca pas faire plus beaucoup bon action pour Allah subhanahu wa taala. Plus les vivants chigit, ça veut dire les pouca pas faire moins action. Allah taala filme de barakat dans sa main les temps là pour qui comment les gens pouca pas d'une façon rivaliser ou bien même plus faire action plus qui s'appelle ummat et derrière dans le paradis, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il mentionnait qui mon l'espoir de Allah subhanahu wa taala qui m'a ummat. Je même pour plus beaucoup de paradis, dans le roi qui mentionne jusqu'à plus qu'il a moitié.
Donc, ça dit que la première fois que ça veut dire que premier, qu'on se valide. Deuxième, pareil comme en Ramadan, vous avez besoin d'un planning. Maintenant, ça consiste, bon, action qui est là, tout le monde ne peut pas faire pour tout bon action. Elle dit, vous n'avez pas pour essayer de faire tout bon action. Les vous avez besoin, dire, sélectif là-dedans. Maintenant, de bon action, il y a des qualités d'action. Il y en a un qui est déjà obligatoire de toi. C'est-à-dire, ça peine à se. De la façon, nous ne pose pas question comme ça. Par exemple, on a filmé par exemple, Saint-Clair Namas, hein, l'obéissance, maman, papa, etc. Tout bonne action qui est obligatoire, tu es obligé de faire les, qui dit soit. Donc, 10 premiers jours, et déjà, qui dit soit, les en lieu. Ça veut dire, ça peine à compromis. Maintenant, après ça, c'est-à-dire, nous avons ce qu'on appelle être tatouo. Ça veut dire, c'est une ben, action qui est volontaire. Ça n'est même plus moi ça. Tu fais les, tu vas faire les, alors pas qu'à s'arrêter avec toi. Tu vas faire ça, ben, action qui est sous là, si. Tu vas pouvoir gagner une punition. Mais seulement tant bien à ce me poser une question. Plus beaucoup de monde est là. Est-ce qu'il plus beaucoup de monde, les lots de la terre, ou bien en bas la terre? Pour en dépêcher la main, ça me dit ce qu'il y a. Plus beaucoup de monde en bas la terre. Ça veut dire que en bas la terre, là, je te souhaite que je vive de la terre, je gagne un jour dans une hijja. Ou bien je gagne un namaz dans une hijja. Ou bien je fais un sisda. En plus, voilà, dans le Hidja. Qui n'a pas eu Sabana? Sabana, là, à ce stade-là, là, je peux vécu ben moment, ben quelque chose qui, je donne un ce qu'on appelle un monde invisible dans Barza. Je ne vais pas trouver, je ne vais pas trouver le monde là. Je peux témoigner, ça veut dire qu'en Ramadan, je témoigne certaines petites choses dans sa vie dans Barza là-même. Quand vous le Hidja vini, il y avait certaines petites choses qui je témoignais en termes de barakat, etc. Mais c'est moi qui est arrivé, je te regrette la zone. Qui fait? Parce que je n'ai pas pour capable de faire action. Je dis, fini de traverser sa phase. Là, mais sinon, je me trouve ça même petit. Je ne vais pas faire rien. Je t'y souhaitais, je donne une place. Là. Mais c'est moi, nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas trouver ça quelque chose. Là. Mais c'est moi, qu'est-ce qui fait mon Seigneur en nous avec Bana, c'est que nous sommes capables de faire action. Là. Ça veut dire, il s'en dit, les bisins profitent. Les bisins demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiq. Tawfiq qui veut dire, ça à l'époque là, tu es capable de manager. Tu es capable de par ici profiter. Premier, dixième jour, exact, tu le lis, tu vas pouvoir profiter. Ça dix jours là, de ta famille, c'est pas toi, madame, tu fais bien, tu fais bien, tu fais malade, tu fais bien travail. Jour là, tu travailles, c'est comme ça. Ça veut dire, nous devons demander à Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiq, qui a la ta'ala, fait nous, profite ça. Qui a la ta'ala, le succès. Fait nous faire succès, ça veut dire faire maximum ben amal là-dedans. Ça veut dire, il commence, préparation, première affaire, on a un planning. Une conscience pour mes affaires. Deuxième affaire, c'est que depuis à ce moment-là, vous commencez à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, doit, oh Allah, fais-moi réussir, capable, profite ça, 10 premiers de l'Hijjala. Si un monde n'est pas fini de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, doit, Allah ta'ala capable de pardonner, tawfiq pour lui capable, pratique ça. Ça, deuxième. Troisième aspect, c'est qui, parmi les bonnes actions qu'un monde n'est pas fait, c'est pour un monde qui gagne tawfiq avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il y a la talade de Tadjoumna succès. L'effet à la talade, c'est-à-dire facilite Tadjoumna pour lui faire une bonne action, c'est que Tadjoumna a besoin de faire Istighfar. Istighfar a commencé à ce temps-là. Et aussi Istighfar pendant sa 10 jours. C'est-à-dire Istighfar qui te fait de sa 10 jours, du moment qu'il y a la 4 là-dedans, il n'est pas pour parler. Donc, Tadjoumna a besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Et péché les blocs du monde pour faire bonne action. Par exemple, dans Ramadan, un parmi ben Jimoun ben Moussa, il demande un grand imam longtemps. Il dit que je ne peux pas faire Tarawih. Il dit que je vais être emprisonné pour te faire péché. À cause de ça, tu ne peux pas faire pour faire ce que la carte qui va dire imam, il peut faire pour terminer ensemble avec imam. Donc, ça qui est chose, et si tu fais, ça veut dire elle, l'époux, si elle a la porte de nouvelles péchés, elle a dû faire un péché là. Deuxième vertu, et c'est qui ça, et là, il peut permettre toi pour faire des bonnes actions, faire augmenter dans tes bonnes actions et aussi Allah subhanahu wa ta'ala mettre barakat dans toi dans tes bonnes actions. Qui veut dire Allah mettre barakat dans toi dans tes bonnes actions? Ça veut dire que tu quittes les temps, tu finis faire beaucoup de bonnes actions pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui action qu'Allah ta'ala lui accepte et lui satisfait. Nous prenons par exemple quand nous guérons l'imam, et dans le Ramadan, tu veux faire 4000 Qur'an pour vous, comment tu fais ça? Un imam, pour un tabiri ou un tabiri qui s'appelle Ibrahim al-Nakhri. Mais il fait 4 ans de Coran. Nous ne sommes pas capables, un mois là, pour faire un récit, faire un khatm al-Quran.
Nous ne pouvons pas faire un khatm al-Qur'an par jour, vous allez faire 4 dans un jour. Tous les jours, tu fais un khatm al-Qur'an. Il fait plus qu'il sent khatm al-Qur'an dans un mois ramadan. Alors, comment il fait ça? Parce qu'Allah Ta'ala fait de l'itaufim. Allah Ta'ala fait des barakat dans ce temps. Nous avons un khatm al-Qur'an dans un rakat où il y a pour un net. Allah met des barakat dans ce temps. Ça veut dire que sa barakat, il passe pour tout ça. Les nouvelles lui apporter de tout le monde, mais c'est moi. Elle avait un critère, elle avait une condition qui te vous est réunie dans toi. Quand tu arrives à un certain niveau, elle est là. Tu es capable de faire ça même après avoir parlé de ici. Donc, l'autre qui te reste, c'est qui ça dit mon nom, les bisous profitent à 10 jours là, jour pour jour. Chaque jour qui finit, les bisous vont dire comment dire, faire un bilan. Guetter qui finit faire, qui est petit target, qui est plan. Qui ne réussit à atteindre, qui n'est pas réussi à atteindre, l'Ibzé regretté à ce qu'il y a. Ça joue là, telle conséquence, nous ne pouvons pas réussir à faire. Un bonus, ça. Un simple exemple. Même ça fait si nous matérialisons, nous comprenons un seul coup. Fait comment tu as un business. Ben là, tu comprends, tu as un client qui, si vous venez, tu ne penses pas combien de millions de morts sont en mais tu fais bien business ça vite, vite. Mais ton magasin, tu fais, mais il n'est pas là avec toi dans le magasin. Tu dis, donc, qui n'est arrivé, c'est qui te regretter. Qui faire d'une façon capable de faire une négligence dans ton port. Pareil comme ça même. Ça, tu n'as pas pour trouver à ce là. Mais c'est moi, je vous crée à mal, quand vous trouvez chaque moment d'ordre, ben, action qui tient la bénédiction. Ça, 10 premiers Dhul-Hijja. Qui ben quelque chose qui te fait rater, de vous regretter. Et tu n'as pas capable de retourner à l'arrière pour refaire sa ben action pour mettre ça de balance. Fini. Mais c'est moi, tu vous trouves action dans ce valet. Et tu vous trouves ben Jimoun. Qui dans même l'époque toi, mais c'est moi qui je qui profite les temps là. De vous trouver comment je finis faire sa bonne action en stèse. Et de vous trouver ça dans je balance en stèse. Et de vous regretter encore. Quand tu vas pour toi, dans ton balance, de vous regretter. Quand tu vas pour je finis faire ça, c'est de vous regretter. Parce qu'il fait, tu t'en allais dans l'appareil. Mais c'est moi qui viens de dire ce qu'on appelle un decision making. Qui te finit trouve plus important pour te faire. Et là, tu me trouves ce lien plus important. Qui quantité, Rasoul Zahazam, il y a dans le hadith, dans l'explication du hadith, il dit qui, à chaque fois que tu occupes toi de dunya au détriment de ton akhirat, ça veut dire qu'il va arriver, ça veut dire que tu dalles d'une façon de vous diminuer contre Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, là-dedans encore, l'une ben, action que nous supposons faire, c'est takbir. Takbir veut dire Allah Akbar. Donc, en général, le hadith contre Rasoul Zahazam, il y a le moment faire beaucoup ben afkar. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, etc. Il y a un hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit pour moi, c'est que moi et tout le prophète qui fait Zouf, Arafa, c'est Tahlil. Ça veut dire La ilaha illallah, La ilaha illallah, Wahdahu la sharika, La lahu mulku, Lahu alhamdu, Wahu ala kulli shay'in qadir. Maintenant, Takbir, par rapport à 10 Dhul-Hijja, nous avons des qualités de Takbir qui nous font. Nous avons un qui est général, nous avons un qui spécifique. Donc, on appelle Takbir al-Mutlaq. Ça veut dire là, Takbir al-Mutlaq, ça veut dire général, n'importe qui l'est, que tu as envie de lui dire. J'ai pas d'attente. Hein? Donc, c'est de commencer à partir du premier Dhul-Hijja. Il peut aller jusqu'à 10 jours là. Ça veut dire n'importe où tu étais. Tu es dans la case. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luna, tu es le chemin. Tu devais passer n'importe où ça. Tu n'as qu'une famille, etc. Nuna Ibn Omar avec Abu Huraira radiallahu anhu, après l'amour ou wafat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu peux faire? Je te fais revivre ça. Motif du monde pour faire takbir et ben du monde, ça veut dire quand balance, tu peux faire ça ben du monde à rappel, qu'il soit dans le bazar, etc. Tu peux passer dans le chemin, je peux faire à haute voix. Et là, les bons comprennent les affaires. Un musulman n'est bien pas honte pour pratiquer ce dîme. Deuxième, un musulman n'est bien fier de sa religion. Troisième, il ne faudrait pas nous gagner honte. Ça veut dire, ça, ils font partie de Sha'airillah. Ça veut dire, c'est un symbole Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand un sunnah, l'ipé al-mo, quand nous revivons ce sunnah-là, ce fawar, il est beaucoup fort contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah ta'ala, concernant l'ayat Quran, liyashhadu manafi'alahum wa yudhkaru smullah. Fi ayami ma'lumat. Donc, Lydia, Ibn Abbas, quand il fait comment concernant sa ayat-là, Lydia,
les recommandés, les sunnah, les mustahab, pour faire takbir dans 10 premiers de l'Hijjah. Donc ça, c'est une cause concernant générale. Maintenant, une cause concernant spécifique. Spécifique, les attacher avec salat. Ben, ça montre, je mentionne des conditions. Premier, c'est namaz faraz. Deuxième condition, c'est que tu peux faire namaz faraz en jamaat. Ça veut dire, si tu peux faire namaz, sunnat, nafil, takbida n'est pas attaché, n'est pas appliqué avec ça. Et deuxième, si tu peux faire namaz faraz, la case, pas ton rat namaz, n'est pas appliqué. C'est l'image avant de dire. Donc, spécifique à ce terme, qui je dis? Il commence à partir du 9e de l'Hijjah. C'est-à-dire, tout le monde dans le monde, dans le monde un petit peu. Nous, tout qui, après namaz, je dis, je peux faire takbir. En haute voix, pareil. Ça veut dire, nous allons commencer à partir du 9 de l'Hijjah. Nous prenons. Ça veut dire, 9 la Fajr, Zohar, Asar, Maghrib, Isha. Nous allons 10 de l'Hijjah. 5 salat, pareil. 11e de l'Hijjah. 5 salat, pareil. 12e de l'Hijjah. 5 salat, pareil. Les pour finir 13e de l'Hijjah. Les pour finir 13e de l'Hijjah après Namaz Asar. Ça veut dire que vous faites Namaz Fajr, vous faites Takbir après Fajr, après Zohar, 13e de l'Hijjah, vous faites Takbir. Et après Asar, 13e de l'Hijjah, vous faites Takbir. Après Maghrib, nous rentrons dans les 14, vous ne faites pas Takbir. Ça veut dire que ça, c'est Takbir spécifique. Et ce Takbir-là, ça veut dire qu'il n'est pas pour la même valeur qu'il ne peut faire Allah Akbar à ce là. Parce qu'il dit, ben, takbir spécifique, comment nous film mentionné. Maintenant, un djinn, il vient essayer de sa 10 jours là, essayer de faire un khatm au Coran s'il est capable. D'ailleurs, je me cause qu'on s'en avance, tu peux faire 4 dans un jour. Je veux dire, dans 10 jours, faire un. Si pas capable, commencez pour la partie à ce terrain. Tu liens tous les jours pour constater qu'il est capable. Au moins, dans sa 10 jours là, quand la fin 10 jours là est terminée, tu devrais au moins faire un khatm au Coran. Ça veut dire? Le Coran, tu vas faire une lettre de 10 jours, mais elle peut te terminer le Coran consécutif pour lire dans la fin de ça, 10 jours. L'autre action encore, c'est qu'il est recommandé pour Gordouza. Pendant ça, pas 10 jours, c'est 9 jours. 10e jour, pas qu'il y a Gordouza, ça veut dire jour Bakri. Premier 10 à 9, les sunnah. Ça veut dire, là qui est arrivé, Mazin, toute bonne action que tu peux faire. Tu peux faire un afkar, tu peux faire un namaz, et en même temps, tu es dans tout là. Il peut accompagner avec un suyant. Ça veut dire, Ben Rosa, je vous mentionne qui, Ben Rosa, la fille qui te gardé. Et en général, à ce terme, nous avons beaucoup de bonnes actions qu'un Dimouni n'est capable de faire. Nous avons, par exemple, Ben Dimouni qui jette maman, papa, même nous, grands, si nous, maman, papa, encore la même, mettez un sourire de maman, de papa là, je te figure, tu es capable de nous être cadeau. Guettez de quelle façon tu agis bien. Donc, nous avons un apôtre dans le paradis qui appelle Sulator Rahim. Ça veut dire Ben qui finit agir bien envers les maman, papa, en premier, et aussi envers les Ben des autres familles. Maintenant, de sa 10 jours-là, si tu es capable, elle rendre visite de Ben famille. Rendre visite à une famille, il y a un extra grand ribada. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup les côtés, de te faire 10, 15 minutes, 30 minutes, de causer un ticket avec lui, etc. Ça, il y a un extra grand ribada que Allah subhanahu wa ta'ala, demain Allah subhanahu wa ta'ala, il va voir qu'elle a travaillé de nous tawfiq. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il va s'y faire nous profiter avec sa 10 premiers de l'Hijjah là, qui nous fait maximum ribadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, un lapin oublié encore, c'est sadaqa. Tous les jours, moi, je donne un sadaqa. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, un dimanche, quand il donne un sadaqa, Allah il accepte sadaqa là, Allah ta'ala prend sur la main droite, il paraît comme un falouwa. Falouwa, c'est un cheval, comme on dit, une fake il frais. Donc, ça, normal, sadaqa, normal. Ce qui mentionne dans sa hadith. Mais si c'est ça, tu m'as dit que ça soit d'accord là, dans le disponible de l'Hijjah. Ça veut dire, faire, quand le média soit d'accord, pas nécessairement l'obliger jusqu'à ce. Mon camarade vient s'arrêter un petit peu tous les jours. N'importe dans quelle façon tu as envie de manger, tu as envie de casse, n'importe tout, ben, si tu as envie de faire une place pour faire construction, tu as envie de mettre un petit casse là, dans sa 10 premiers jours de l'Hijjah là, tout fait. Ça veut dire, tout ça là, il y a trop beaucoup de bonnes actions qui nous capables. Fair, Adam. The man I have a recommendation on the case of Osallah, Allah, Sayyidina Muhammad, Allah, 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 All